Go. Alors on reprend Goat of Zob Ranyanya Rock juste après avoir fini The Callisto Protocouille. N'hésitez pas à aller consulter mes let's play sur ma chaîne secondaire Ribosome VOD. Un bon jeu mais qui ne fera pas son entrée dans le panthéon des meilleurs jeux, mesdames et messieurs. On préfère Dead Space. Et le chat aussi, le chat l'a dit. Donc, on reprend God of War Ragnarok en mode hard avec Atreus. On était, on a fait quoi, 2 semaines d'arrêt à peu près de God of War. Donc, je me souviens de rien. Et je vais me faire défoncer la gueule. Voilà, donc on continue, c'est parti. On avait débloqué cet arc et cette tenue. Donc, c'est parti. Des cinématiques à foison, bien sûr. Parfait. Oh Loki. J'ai galoché Six, ouais. Sache que la situation ne m'échappe pas. C'était sa chambre, tu sais. À qui ? À mon frère. Ton frère ? On a vraiment du mal à se remettre dans l'histoire, du coup. Ton frère ? C'est qui son frère ? C'est vrai ? Je... Non, ça veut rien. Là, elle est à toi. Six. Trou de torse de tir. Ouais, ça best va. Game de 2022, c'est Elden Ring qui a eu le GOTY. Elden Ring. Salut L7C Fox. Non, pas du tout. Je ferai pas The Witcher. C'est une tannée à streamer, si tu savais L7C Fox. C'est un jeu de mort à streamer. C'est un super jeu, mais c'est trop dur à streamer. Il y a trop de dialogues. C'est comme Horizon, Forbidden West. Faisons planer, Six. On fait planer. Viens avec moi. Je vais le dire à mademoiselle Chouli. Tu oublies ton épée. Oh là là, le pauvre. Pauvre enfant, sans force. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette femme? Oh, quelqu'un va s'en occuper. Il s'est pissé dessus? Il s'est chié dessus? Cette crevette, on l'appelle Shrimpman. C'est Shrimpman maintenant. Il faut manger des protéines, ouais. De quel genre d'épée il s'agit? Il faut qu'il mange des protocouilles. Des bons gros protocouilles au petit-déj. Pour ma formation de Valkyrie. C'est pour devenir Valkyrie? Tu as le temps d'en discuter? Oh! Elle fait une formation de Valkyrie? Mais si tu as du travail, le bureau... Alors qu'elle pouvait s'appeler Olga et fabriquer du fromage. Allez, go! On tabasse! Passe me voir à ton retour. Ron. Non, je viendrai pas te voir. Elle s'appelle Tud. D'ailleurs, elle s'appelle pas du tout Olga, elle s'appelle Tud. Je comprends. Je m'appelle Tud et je fabrique du fromage. Je parle comme ça des fois quand je suis malade. Tout va bien. On arrête de faire ça. Oui. Oui, d'accord. Écoute, Red Dead, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de dialogue avec des choix, il n'y a pas tous ces trucs, tu vois. Non, Huguin. Je n'ai pas de problème d'audition. Mais The Witcher 3, très complexe à streamer. C'est beaucoup trop porté sur les dialogues, en fait. Que tu acceptes vraiment la réponse que je vais te donner. On dirait qu'il est au téléphone. Qu'est-ce qu'elle a, cette épée? Je ne faisais que regarder. Une épée. Ça y est, je vais avoir une épée à la place de l'arc. S'il vous plaît. Je l'ai depuis... Oh. Bien trop longtemps. Oh, s'il vous plaît. Tu as un nom? Ingrid. Vraiment? Ouais, pourquoi pas. Prends-la, si elle te plaît tant que ça. Je la veux. Oh oui, un fourreau pour fourrer mon épée dedans. Vois cela comme un cadeau de bienvenue. Merci. Ouh. Merci beaucoup. Et après, c'est moi le méchant. Viens, marchons. Viens, marchons. J'adore cette expression. Ça, faut le faire au travail, si jamais vous êtes au travail, des fois. Vous allez au travail et vous dites un truc important à quelqu'un en disant « Venez, marchons. » Y a pas de quoi. Trop cool. J'ai une épée. Marcher avec Odin. C'est parti. Nous marchons. Nouvelle entrée connaissance, Ingrid. Tu te trompes sur moi. Tu penses que la guerre m'anime? Le pouvoir? L'argent? Non, pas du tout. C'est plus comment on court. Ce que je veux vraiment, des réponses. Tout comme toi. Vois-tu, pour les mortels, c'est simple. Quand ils se heurtent aux grandes questions de la vie, ils se tournent vers nous pour leur... Est-ce que tu baises, Ingrid? La sagesse divine. Tu parles d'une imposture. Mais nos questions, pourquoi sommes-nous ici? Pour donner aux mortels des réponses que nous n'avons pas? Non. Nous sommes plus que cela.
Et j'ai quelque chose qui le prouve. Des cailloux qui volent. De la caillasse volante. Ok, c'est une cinématique. C'est ce qui m'anime. Tu le sens, n'est-ce pas? Là, oh là là, on découvre énormément de choses sur le scénario. Tu sais trop voir. La vérité. La vérité. Toutes les réponses. Ce que nous faisons ici. Comment changer nos destins, le sort. Arrêter le Ragnarok pour de bon. Et sauver les gens qu'on aime. Comment? J'étais un jeune dieu quand je l'ai trouvé. J'ai passé 1000 vies à l'étudier, à suivre toutes les... C'est une épée qui roucoule. ...dans l'impasse. À chercher et enfin découvrir ceci. T'as vu ça, Six? Donatien, il est... Tu peux lui confier n'importe quel secret, il le répétera pas vite du tout. Il y a une fissure. On pourrait jeter un œil. Je ne te le conseille pas. Oula, il va déclencher le Ragnarok comme ça, non? Oh! Ah oui. À quoi sert le masque brisé? Reconnais-tu ces inscriptions? Il y a écrit dessus... Protocu... Protocouille. Non. Ça ne vient pas des 9 royaumes. Je suis tellement content d'avoir une épée. Brûlée... Il me tarde de la tester. Obsidianis Pisa. Si on me paye, je suis une tombe. Terre brûlée... Et flammes d'obsidienne. Et un champ de bataille jamais mené. Tu en es sûr? Car si c'est un indice, je sais ce qu'il veut dire. Ah oui, quoi? Viens, travaille avec moi. C'est son nouveau père. Tu le sauras. Tu n'auras à tuer personne. Tu n'auras à trahir ni ton père, ni toi-même. Allez, je le sais, tu l'as ressenti tout comme moi. Les réponses sont ici, pour nous. Regarde, tu as traduit ce langage en un rien de temps. Mettons que j'accepte. Et après? Il se joue de lui. Viens ici! Père de tout. Mais... Oula, wow. Il se téléporte, lui. Après, eh bien, ta quête commence. Prends ça. Salut, Martichou! Putain, ouais, ça fait longtemps. Comment ça va? Et vois où cela te mène. Comment ça va, Martichou? Bienvenue. Je ne peux rien vous promettre. Fadaise. Amuse-toi bien. Et toi? Sois aimable avec lui, c'est compris? Ben ça va bien, Martichou, écoute. J'ai fait une petite pause de stream l'été, là, et puis j'ai repris en septembre, un truc comme ça. Là, du coup, on est sur God of War Ragnarok. Je sais pas si tu l'as fait. Muspelheim? Ah, Muspelheim! Le reste du masque est ici? Si le père de tout nous a amenés là... À ton avis, prends cette chose et fais ce qu'on te demande. On va bosser avec Thor, là. What? Oh, trop bien. Cool. Ok. Bon, où est-ce qu'on va? Attends, moi je veux me servir de mon épée. Je sache. Tu l'as fait, du coup, Martichou? Fais-le. Un lézard. Appuie sur la flèche de gauche pour vous équiper du masque. Et... Le masque résonne avec votre objectif et brille lorsque vous suivez le bon chemin. D'accord. Trop bizarre. On dirait qu'on passe à travers ce rocher. Ok. Quel rocher? Wow. Avec ses bras. Et pas du tout spoil, hein. Pas du tout, du tout. Falaise ardente. Plus sur carré pour gérer l'attaque d'Ingrid. Maintenez carré pour déléguer le coup d'épée. Quoi? Pour un déluge de coup d'épée. Putain, ça marche trop bien son truc là. Je me souviens plus comment on joue. Alors bleu c'est quoi déjà? Ah oui, c'est double L1. Ok. Un gameplay incroyable. Bon, je change de flèche déjà, de typologie de flèche, je me souviens plus, la touche. Tu es plutôt là. Ah, t'as regardé des vidéos, ok. Tu veux pas m'aider? J'oublie comment jouer, ça va être très compliqué, je le dis. Ouais, ça va être compliqué.
J'ai oublié les touches, j'ai oublié comment changer de flèche. J'ai tout oublié. Waouh, 15 jours. En 15 jours, j'aurais oublié toutes les touches. Donc, ça va revenir en une heure. Attendez, je fais ça. Je tire. Carré, ça fait rien. Mais ça fait Ingrid, carré. Flèche de droite, ça fait rien. Flèche de gauche, ça fait le masque. Ok, on s'en fout. Flèche du bas, flèche du haut. Ah, c'est la flèche du haut pour changer le type de flèche. Superbe. Eh ben, il va mourir beaucoup. Pomme d'api, du coup, tu vas pouvoir te régaler. Ok, donc j'ai Sonic ou je sais plus quoi. Ok, donc ça c'est pour contrer. Allez, go, on y va comme un âne, voir. Débarre-toi, Thor. Oh, Ingrid, t'es doué. Ok, ça va, ça revient, ça revient. Ok. Voilà. Putain, c'est bien Ingrid là. Elle est bonne Ingrid. Ok. Pony, pony, run, run. Hop, hop, hop. Bon, c'est bon, c'est revenu. Hein. C'est revenu. Où sommes-nous censés aller maintenant? Je vais regarder. En plus, ça fait jeu pour équiper les masques. Pas de suite. Ok. Putain, le gameplay, par contre, là, pour revenir en hard, c'est chaud. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, de laisser un jeu de côté pendant un moment, mais waouh. Ouais, c'est un groupe, Six Sparrow, Pony Pony, Run Run. Un groupe que j'écoutais il y a longtemps. J'écoute plus du tout. Moi, Red Dead 2, je pense pas que je le referais de sitôt. Pomme d'api, pour le coup. Putain. Waouh. Par contre, Elden Ring, c'est... Après God of War Ragnarok, on reprend une run Elden Ring. Le masque indique quelle direction. Ça, c'est clair et net. Là-haut, on dirait qu'il y a un rebord qu'on peut atteindre. Si on... Trop lent. Ah, ils font plus rien, je crois, d'accord. Hey, je les ai vus en concert, énorme. Ah ouais, putain, Thor, il envoie le steak. Attraper les gens comme ça. Que devais-je faire? Allez hop, on prend la colère. Muspelheim, c'est l'endroit où on... Comment dire? Où il fallait gagner des défis dans le premier épisode, dans le premier volet. Avec Kratos, justement. Pour avoir le platine. Et je l'avais eu, le platine. C'était chiant, d'ailleurs, de l'avoir. Petit, c'est fou, c'est beau, nous bombarde de flammes. Utilise... What? Ouais, c'est ça, là, l'épreuve de mort, il fallait pas se faire toucher, il fallait faire je sais pas combien de combos et tout, c'était horrible. Où sommes-nous censés aller maintenant? Je vais regarder. Alors, ok. C'est chaud là-haut, là, il y a beaucoup de monstres. Mais alors? Là-haut, on dirait qu'il y a un rebord qu'on peut atteindre. Ouais, franchement, une PS4 qui se déclenche la nuit, à mon avis, t'es dans Conjuring actuellement, Pomme d'Api. Tu vis dans Conjuring. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Attraper les gens comme pourquoi ça. Thor il m'aide pas? C'est moi qui les tabasse ou... et lui il fait rien? La journée ne fait que commencer. C'est si, il fait des trucs. Voilà, en plus on regagne des vies. Petit, ces choses là-haut nous bombardent de flammes. Utilise vite ton arc. Ok. Oh, c'est bon, il est mort. Oh putain, il les dégomme lui. Putain, waouh, beaucoup trop fort. What? Wouah, putain, ce qu'il m'a mis! Mais en vrai, Thor, je sais pas si dans la mythologie d'office, il est gros de base ou pas.
Je sais pas du tout. Moi, je connais pas trop la mythologie nordique, l'air de rien. À part ce que j'ai vu dans les films Thor. J'y connais rien, en fait, sur la mythologie nordique. Faudrait que je me renseigne un peu. Là-haut, on dirait qu'il y a un rebord. Si tu te souviens, tu crois qu'il est tué pour toi ? On va essayer, voir. Après, les mecs me pourchassent, quand même. Thor, il est pas très malin, surtout. Je ne sais pas. Les gens comme ça. Vas-y, tiens, je vais rester sur le côté, voir. La journée ne fait que commencer. Je fais ma petite épée. Hein. Y'a c'est bien ça, leur sert de l'heure et tout ça. Ouais, en fait, il les attaque, mais il est très très lent. Hein. Très cool, très très cool. Ok. Ok. Ces choses sur nous. Hey, je cours. Hop. Putain, mais le gameplay après, ça va être monstrueux, tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a comme possibilité dans le gameplay du jeu, c'est monstrueux. Ok. Ça va, je crois que je me suis sorti. J'espère à payer le prix du sang pour ce qui est arrivé à mon fils. Mais... Ouais, alors je l'ai juste vu, Doffy Heimdall. Je l'ai vu, il a essayé de se battre contre moi, ce connard. Et après, il a disparu. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas plus. Alors, bois d'Idalir et bois de pierre. Donc ça permettra de fabriquer des armures ou d'améliorer des trucs. Et j'appuie sur le masque pour savoir où aller. Par là. J'ai des vies ou pas? Comment on voit ces vies? Je suis désolé. Je vais pas trop parler, je suis un peu malade. Traverse ces rochers. Et tu pourrais... Hop. Oui, voilà. J'ai une vie pleine. Ok. Est-ce que ça ferait des os ? Oui, il est gros dans la mythologie nordique, car je suis un fin connaisseur. D'accord. Pris du sang ? Tofi. Que fais-tu des géants que t'as tués ? C'était ma famille. Cool. Tamur, Romnir, ils faisaient partie des tiens. Les géants étaient le fléau. Comment je fais ? Et je savourais la mort de chacun d'entre eux. Comment je fais ? Changeons de sujet. C'est avec Kratos ? C'est... La dernière fois qu'on est venu avec mon père, on a remporté toutes les épreuves de Surt. Tu oui. Pourrais... Ne te moque pas de moi. Ok. Donc ça, hop. Je me souviens plus ce que ça fait, L1 et rond. L1, L2... Non, L1 rond, je l'ai pas. Je l'ai... Comment dire? Je l'ai qu'avec Kratos. Ok. Par contre, ça, c'est rageant, là, de pas pouvoir les allumer. Il y en a deux. Ça, c'est quoi? Rien. Ok. Ah. Ok. J'avance. Bon, vraiment désolé d'être dans un état comme ça, là. Putain. En plus, plus la soirée va avancer, à mon avis, plus je vais être crevé. Donc, à la fin du live, je serai sans doute décédé. On va se mettre ça pour se chauffer un peu. Il faut que j'avance dans les jeux parce que sinon à la rentrée je pourrais pas reprendre Elden Ring. Maudit avait ses torts, mais c'était mon fils. C'est tort. Si je n'étais pas encore réduit en bouillie, c'est seulement à cause de ce bouillon à briser. De toute évidence, aucun de nous ne peut réussir cette mission tout seul. Nous voulons tous deux impressionner Odin. Je ne te demande pas de m'apprécier, mais nous devons nous faire confiance. Juste un peu. Confiance. Parti comme de boss. Pas du tout. Ça part. Le faou, ça.
Pourquoi j'ai l'impression qu'on me donne plus de vie qu'avant? Bonne posture, mais tu manques d'agressivité. Un petit coup de main serait le bienvenu. Mais non, je te fais confiance. Viens le pas. Ok, je vais utiliser mon truc de loup là. L3R3, comme ça je regagne un peu de vie. Putain. Ok. Putain, lui il fait des gros dégâts par contre. Comparé à moi. Wow. Ok. XP plus 62. On récupère les trucs. Ok. Bon, c'est moins dur que ce que je pensais. Avoir repris avec Atreus là, ça va. Ça va à peu près. Tu l'as fait toi, Six Sparrow, God of War Ragnarok? Quelle direction? Tu le fais aussi ou pour le coup, il y a que Manosel Julie qui le stream? Du pognon! Parfait. Donne-t-il une direction? Ouais, il va te la donner, la direction du camp là. Voilà, c'est par là. Ça se voit quand même que c'est par là. Pas du tout. C'est par là. Le masque m'attire par là. Il faut trouver un moyen de descendre. Descendre? Tu vas me choper, non? Je ne me moquais pas de toi. Les épreuves étaient amusantes. T'es. T'amuses jamais? Tu es tellement différent de ta fille. Viens voir ça. J'arrive, je vais juste looter là-bas. Comment on court déjà? Vous en souvenez? Aucune idée. Assieds-toi. Vraiment quand tu veux. J'arrive. Putain, mais l'impatient quoi. Quelle impatience, Thor. Ah ouais. Mais ça c'est mieux qu'un ascenseur. Ça va? T'es pas mort? Incroyable. Pleine en fusion. Merci Thor, l'ascenseur. Non, je réfléchissais et... Ouais, c'est ça ton problème. Oh. Merci à toi l'ascenseur. Baston, t'es parti? Bastonas? Les épreuves se trouvent derrière cette falaise. Tu pourrais peut-être les passer avec Trude. D'abord. Viens le fort. Allez Thor, tu peux au moins essayer. Qu'as-tu à y perdre? Bon. Essayez toujours. Putain, cette épée là, c'est trop bien. Bon, j'avoue, le gameplay avec Atreus là, c'est ultra ultra bon. Non, pas le moins du monde. Viens pas. What? J'avais plus de vie? Putain. Pour courir, c'est jambe gauche, jambe droite, et tu alternes. Merci. Merci de me faire rire. Grâce à toi, je vais tousser. Putain, je pensais que je m'étais bien sorti, mais j'avais pas vu mes vies. Pas la peine. Essayez toujours. Tu fatigues déjà? Pas le moins du monde. Va où ça? Ok. Tiens, cette épée. Tiens pas. Putain, il est venu me péter mon combo, lui, là. Ok. Ah! Un troll! Oh putain, j'ai pas de vie! Ça va pas du tout! J'ai pas de vie par terre! What? Pourquoi y'a un troll? Tire pas! Voilà, t'as un clac! Oh y'a deux trolls! Y'en a pas qu'un! Au bordel, et y'a ça! What? Ok. J'ai peut-être un peu. Jamais je vais y arriver!
Nous manquons de sang, alors je... Wow! Se sert de... comme des projectiles! Hop! On lui ramène le cucu avec Ingrid. Ingrid qui lui ramène le cucu. Ah! Ouf! Eh bien... Oh, t'inquiète, pomme d'api, je pense que ça vient de la fatigue aussi. Waouh, tout ce qu'il y a. Eh ben, c'est bien pour une remise en jambe, finalement. On se remet en jambe. Jambono. Elle va où, ça ? Essayez toujours ! Vous fatiguez déjà ? Pas le moins du monde ! Vas-y, file-moi des vies, là, bordel ! C'est tout ? J'ai sa plusieurs carrés pour faire une vague d'épée. Putain, j'ai tendance à appuyer sur rond pour esquiver à cause des souls. Wouah! Salut JPS le Taz, comment tu vas? Bienvenue! Bienvenue à toi. Je suis un peu malade, un peu crevé. Je suis pas hyper vif là, avec le chat. Comment tu vas? JPS. Les pertes. Putain, ils font vraiment des gros dégâts. Déjà ? Pas le moins du monde. Ok. What ? Salut Sweet Whisky, dis donc, des vieux pseudos qui pop, excellent. Comment allez-vous ? Mais pourtant, ça me dit, Sweet Whisky, que tu es un nouveau dans le chat, alors que je te connais. Tu es malade, t'es pardonné. Exactement. Ça marche pour moi aussi, du coup. Putain, mais claque! Je fais zéro dégâts, quoi. Essayez toujours. Tu fatigues déjà? Loin du monde. Putain, y a des vies là-bas. Là, là, juste là. What? C'est de plus simple, tu... Ah, j'y pèse le Taz, tu joues à quoi en ce moment? J'y pèse le Taz. Ok. What? Essayez toujours. Je vais vous faire celui-là, là. À le moins du monde. Ah, rien fait. Au pire, on laisse faire tort un peu. Si je meurs une quatrième fois, je serai plus... Putain, j'ai oublié de mettre le compteur de mort pour le live, d'ailleurs. Pour l'activer, si vous voulez, après. Oh, putain. Un ogre ? Tu as peur ? Non, pas le moins du monde. Oh, ok, l'ogre est là, hein. On va faire ça. On tue les ennemis. Ok. Ok, il y en a un deuxième, super. Encore un ogre. J'ai des vies là-bas. Je suis décédé. Ah, Warzone 2, je sais, très original. Qu'est-ce que c'est qui a changé entre Warzone 1 et Warzone 2 pour le coup? Parce que moi j'ai vu, je me suis pas tenu au courant de Warzone 2. Mais je sais pas du tout ce qui a changé en fait. Il y a une nouvelle map, ça j'imagine. Essayez toujours.
sympathique. J'ai pu pardonner, d'accord. Donc c'est mon dernier try finalement. Mon dernier try. C'est le try du pardon. Calme-toi. Ok, bon d'accord, je suis pas pardonné. Oh, mais qu'est-ce que c'est chaud! Mais il peut putain, mais Dieu, le Thor c'est un dieu, il peut pas péter des trucs. Nouvelle map et nouvelles armes, d'accord. Thor il peut pas faire éclater des trucs. Ok, je fais défoncer dès le départ, c'est horrible. Je sais pas pourquoi je fais aussi peu de dégâts. Trop facile. Et pourquoi eux m'en font autant? T'as prévu un truc pour Noël, Ribo? C'est-à-dire, tu parles dans ma vie personnelle ou dans le jeu, dans le streaming? J'ai vu que tu jouais à Callisto Protocol. Ce jeu me hype trop, mais je voulais pas venir pour pas me spoil. D'accord. Oui, mais je l'ai fini, du coup. Est-ce que t'as fait Dead Space, JPS le Taz? Pas du tout. Trop facile. En fait, faut rester à côté de Thor. Tu fatigues déjà? Pas le moins du monde. Ok. T'as adoré Dead Space. Eh ben écoute, tu ne seras pas... Enfin, moi j'ai été déçu par Callisto Protocol. Voilà. Mais je te laisse peut-être soit jeter un œil à mes Let's Play sur ma chaîne secondaire, soit bah, l'acheter et te faire ton propre avis. Mais en gros, disons qu'il est plus gore que horrifique. Voilà. Ah, sur le stream, non. J'ai rien prévu, c'est vrai. Je sais même pas quand est-ce que sera mon dernier stream de la saison, on va dire. Essayez toujours. La triplette. Déjà? Pas le moins du monde. Ok. Y a le pas. Oh putain, mais c'est trop chaud. Bah, c'est sûr que c'est dur de faire mieux que Dead Space 2. Et en plus, si tu veux, je trouve qu'ils s'en sont un peu trop inspirés, mais qu'ils ont pas pris que les bonnes idées finalement. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont manquantes. Voilà. Je vais pas t'en dire trop pour pas te spoiler, mais en gros, ouais. Je suis pas. Voilà. Pas le jeu de l'année, quoi. Pas le jeu d'horreur de l'année. Par contre, Dead Space Remake qui sort en janvier, là, ouais. Y'a le pas. Je vais changer de flèche, voir. Ouah, putain, mais il me one-shot. Merci Léa, oui. De... c'est grâce à toi que je connais les dialogues par cœur de cette séquence de jeu. Eh, c'est trop chaud. C'est trop trop chaud. Difficulté hardcore, j'y pèse le tasse, là, je suis en extrême. Depuis le début, mais là, c'est très dur par contre. Hein. Comment est-ce que Odin le père de tout? Je trouve que c'est un roublard. Je trouve que c'est un manipulateur hors pair. Et qu'il se sert de la jeunesse de notre Atreus pour lui faire faire n'importe quoi. Il est pas mort? Ok. Essayez toujours. Ça fatigue déjà? Pas le moins. Si, voilà, c'est quasiment un souls du coup. Non mais j'avoue que maintenant je fais tous mes jeux en difficile du coup. Ce sera ma marque de fabrique maintenant pour mes streams. Absolument tous mes jeux en mode difficile. Par contre, c'est très très dur hein, pour le coup. Allez, on regagne un peu de vie, si ça peut m'aider pour tout à l'heure, hein, pour les trolls là. Ah.
Il y en a un derrière moi ou pas? Encore un ogre? Tiens, il y a deux ogres quoi. Ok. Faut qu'ils se battent entre eux, putain. Tiens, je peux avoir un peu d'aide? Nous manquons de temps, alors je vais jouer. Dévi. C'est mieux que je fasse un LR1. Voilà, l'autre il arrive vers moi donc c'est horrible. Je vais me mettre à côté de Thor. Dévi. Au suivant. Bien le fort. Putain. Ouais, mais deux ogres. Quand même. Ouch. Oh putain, mais vie. Ah, les cailloux. Mais non, mais je l'ai esquivé. Elle est pour 3/4 d'heure. Merci de bien vouloir patienter, nous allons y arriver. En tout cas, le gameplay est revenu. Hein. Et à ce moment-là, j'ai perdu absolument toutes mes vies. Pas la peine. Essayez toujours. Oh, vas-y. Mais en deux coups, je meurs. Ouais, c'est vraiment le show. C'est l'onde de choc du rock sur la pierre. Mais franchement, mais... Oh, ah, en vrai, c'est trop dur. Oh, mais qu'est-ce que c'est chaud. Mais je vais y arriver. Quelle force. Facile. Essayez toujours. Ok, bon, bah, écoutez, il les a tous butés, non? Moins du monde. Un ogre? Tu as peur? Non, pas le moins du monde. Faut que je me protège plus. Faut que j'utilise beaucoup plus le boubou. J'avais tellement marre de jouer à 4 réussis, si vous saviez. Ça me donne envie de quitter le jeu et de plus jamais y jouer. Ça me fait tellement chier, si vous saviez. Je déteste Atreus. C'est chimique. Chimique. Je trouve qu'il fait pas de dégâts. Essayez toujours. Tu fatigues déjà? Ah, le moins du monde. Un ogre? Tu as peur? Non, pas le moins du monde. Vas-y. Mais vas-y. Il y a des techniques, là? Il y a des techniques? Ou pas du tout de techniques? C'est parce que c'est un mioche, ouais. Non, même pas. C'est juste que je trouve que le gameplay est... Enfin, il fait pas de dégâts. Sinon, le reste est cool, quoi. Le gameplay est super. Essayez toujours. Tu fatigues déjà? Pas le moins du monde. Ok, y a pas des vies quelque part là? T'as si là. Et là. Non, pas le moins du monde. Oh là 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 là, les projectiles ennemis. Qui sont impossibles à checker. Cool. J'ai paré, hein. Ah, c'est bon, j'ai vie. J'en ai, mais pas beaucoup. Occupe-toi de celui-ci. Ouais, ben j'aimerais. Ah, aucun. Il y a des vies là-bas derrière le troll. Absolument que j'aille les chercher. Encore un ogre? Ok. J'ai peut-être un peu. Je peux avoir un peu d'aide?
Nous manquons de temps, alors je vais jouer trop. Et ils perdent pas du tout de vie. C'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Ça va, il n'y a pas eu l'onde de choc. Oh, onde de choc. Oh. Mais vous avez... Mais non, mais... What? Mais hein? En plus, je suis malade, c'est horrible. Bon, ça va, là, je les ai bien dégommés, là, quand même. Déjà ? À le moins du monde. Ok. Un ogre ? Tu as peur ? Non, pas le moins du monde. Tu as peur? Non, pas le moins du monde. J'ai une légère diarax. Pas le moins du monde. Mais va aller mourir vos morts. Allez les mourir, les manger, les vos morts là. Je fais zéro dégâts, putain. Comment j'améliore mon arc? C'est une merde cet arc, non? J'étais qu'à des flèches runiques accrues. Augmente les dégâts d'étourdissement. Bien ça. XP d'Atreus, mais oui. Améliorons. Voilà, j'ai pas assez, c'est de la merde. 3250. Mais what? Ok, très bien. Donc on a des étourdissements plus faciles. Runique, j'ai le bouquetin déchaîné, c'est de la merde le bouquetin déchaîné. On l'améliore, peut-être pas de suite. Est-ce qu'on a débloqué des compétences pour Jean-Michel là? Comment on fait pour changer? Armure. J'en ai rien à foutre. Comment on fait? Ok. Lorsque vous saisissez un ennemi... Mais non, instinct, c'est quoi? C'est ce truc quand il n'y a que Kratos, ça. C'est le Covid, tu penses, pomme d'api? Les ennemis marqués par une flèche, par les flèches, par exemple, 6 JR d'Astrius sont moins résistants à l'étourdissement. Du coup, c'est nul. Il faudrait qu'il soit plus résistant. Un puissant coup final après un enchaînement d'attaque rapide, appuyez sur R1 pour l'effectuer. Ça, c'est bien. Appuyez sur R1 après une parade. Appuyez sur L1 juste avant d'être touché. Donc, ok. Pour tirer rapidement et renverser l'ennemi. Très bien. Ok, on y repart. Donc j'ai amélioré mon... Par contre, mes dégâts de flèche, là... Essayez toujours. Tu fatigues déjà? Pas le moins du monde. Je vais lui faire un LR1, d'ailleurs. Hein. À lui, là. Par où, ça? Un ogre? Tu as peur? Non, pas le moins du monde. What? Mais d'où ça sort, ça? Il faut refaire les améliorations ou pas? Ou ça a checkpointifié mes améliorations? Ou pas du tout? Pas de symptômes de gastro-attendez, on regarde juste. Ouais, c'est bon, ça a comptabilisé mes améliorations. Ouf. On y retourne. Ok. Ok.
J'ai envie de me tabasser. J'ai envie de me violenter avec ma manette. J'ai envie de me tabasser le front avec ça. Comme ça. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. C'est bon, j'ai les techniques. J'ai trouvé la technique. Je suis un techniqueur. Je fais de la technotechnique. Le moins du monde. Concentration est totale. Il y va là. Ok, y'en a là. Non, pas le moins du monde. Je t'emmerde, toi. Mais j'ai plus de vie, bordel! J'ai plus de vie. Je ne peux pas gagner face à ces ennemis. Ils sont beaucoup trop forts. Urfa Uta! Essayez toujours! Tu me dis déjà? Pas loin du monde! Tu as peur? Ok. Non, pas le moins du monde. Putain, je déteste de m'avoir tiré dessus. Je vais comme ça. Prends. Mais deviens loup, connard! Ça fait regagner des vies ou pas du tout? C'est trop dur. Esquiver. Celui-là est à moi, donc. Le caillou. Cours! J'ai besoin de vie! Mais aide-moi, connard de Thor! Ah, il lui fait. Ok. Il y a des vies là-bas, bordel! Là, il y en a! Oh, bordel! Là, 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 là. Ok. J'ai peut-être un problème. C'est quoi ton plan, connard? Un peu d'aide? Nous manquons de temps. C'est le dire à voix haute? Vas-y, Thor, là, vas-y, fais ton truc d'Avengers! Sois un Avengers, connard! Viens, Alpha! Superbe. C'est bien fait détruire, là. Là-bas, là. Oh, Kayas! Vas-y, Thor! Oui! Oh oui! Oh oui! Il y en a un qui est mort! Je suis un loup! Je suis un chaton! C'est la bonne! C'est la bonne! Commencez à mettre les GG, s'il vous plaît! Commencez à mettre les GG! Je ramasse tout. Je loot. Le père de tout a attendu des centaines d'hivers. Un peu plus ne le tuera pas. J'y suis arrivé. Oh putain, j'y suis arrivé. Merci pour les GG. Entendu. Boy. J'ai le piqué de faucon. Boy. Qu'est-ce que c'est le piqué de faucon? Merci pour vos GG. Merci à Léa Bino et Pomme d'Api qui sont les uniques vieweuses de ce stream. Merci beaucoup. J'ai envie de pleurer. Tout ça parce que je suis malade. Je suis nul. À la fois en stream et à la fois en game. Qu'est-ce que c'est? Invoque les faucons spectraux qui perturbent les ennemis et plongent le machin au sol. Ah, cool. Ça applique que l'état des flèches sur unique équipée. Vas-y, j'équipe pour voir. On teste. Ça sera toujours mieux que le... Hein? Que la merdouille. De biquette, là.
Deuxième PGM, un bruit d'euro pour Podnap, c'est pas ça. Bon, mais il est parti. Ça devrait l'occuper un moment. J'espère. Examinez les fresques. Il a besoin de quoi ? Elle est où la fresque ? Je dois atteindre la fresque. Qu'est-ce qu'elle sait ? Où ? Où que c'est ? Tu bois du rosé ? Est-ce qu'il est bon ? D'accord, c'est là que le masque veut nous emmener. Mais allons voir la fresque d'abord. Mais elle est où ta fresque, connard ? Thor sera là. Ah, c'est là. C'est là. Dis, Ingrid. Tu fais confiance aux As ? Bien sûr, il est corse. Je sais que je peux pas leur accorder ma confiance. Ingrid, je suis sûr que c'est un mouchard pour Odin. Ouais. Il y a des choses ici. Ça, je dois leur faire croire qu'ils ont gagné la mienne. Ingrid, il a fait croire qu'il me l'avait donné, mais en fait, oui. Je pense que c'était prévu qu'il me la donne. Attendez. Je peux aller là-haut ? Oui. Père et moi, lors de notre dernier voyage à Muspelheim. Ça me paraît une éternité aujourd'hui. On le sait, du schnack. De l'argent. C'est bien, de l'argent. Après, c'est pas le... C'est entre deux, God of War Ragnarok. C'est aussi dur à streamer que le premier, finalement, je trouve. On avait tenté de streamer le premier, vous savez. Mais franchement, moi, ça me gêne qu'il n'y ait pas Kratos. Hein. Ah, j'avais oublié qu'il y avait des trucs comme ça. Je ne voulais pas plutôt aller combattre Thor. C'est pas la bonne arme, non ? Secours ! Mais d'où est-ce qu'ils sortent ? Aoka ! Aoka ! Ah, c'est ça, faut le péter. Aoka ! Tiens, ça se recharge, bordel. Ah, ça se recharge. Au secours. Pas looté. Aoka ! Tiens, mais ça se recharge à une lenteur, ce truc-là. Attends, elle... Si je fais ça... Voilà. Aoka ! Ok. Ouais. Tu l'as fait ou pas ? Ou tu l'as acheté ou pas encore, Florathon, le jeu d'ailleurs ? Bonne question. Et toi, Pomme d'Api, tu le fais pas ? T'es pas très fan de God of War ? Et toi, Liabino, tu le fais pas ? Tu n'es pas très fan de God of War ? Argent, putain. Là, par contre, je me fais v'là la thune. Non, tu fais pas. D'accord. Ouais, ça paraît moins bourrin. C'est beaucoup moins bourrin, Antonio. On est d'accord. Oh non, elle est revenue, elle ! Oh non. Tu sais, pour quelqu'un qui a reçu l'entraînement... Ça m'intéresse tellement pas. Surprendre. Oh, histoire d'Atreus, oh, j'ai envie de me frapper. N'ai-je pas le droit de visiter une fresque lorsque j'en ai envie ? Tu es venu chez... Bah, les attaques à distance, ça fait quand même moins bourrin. Ça fait moins dieu, ça fait moins God of War, tu vois. C'est ce qui me gêne avec le gameplay d'Atreus. Moi, je... Mais après, j'ai trop en tête God of War 3, je crois. God of War 3, c'est bourrinas. À la vie entière d'un membre de notre peuple. Et peut-être un peu à un placard. Tu aimes me voir s'ouvrir, ça te suffit, d'accord ? On dirait surtout que tu veux défier le destin. Mais on s'en fout d'Atreus, on est d'accord ? Charisme zéro, coiffure de chiottes, de balai de chiottes. Il a une coiffure de balai de chiottes. Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est lui, mais ce n'est pas... Je ne travaille pas avec lui. Je ne lui parlerai jamais du bois de fer, si c'est cela qui t'inquiète. Et je ne serai jamais à son service. Ce sont les mots de la prophétie, pas les miens. J'ai une bille à trouver. Tu peux m'aider si tu veux. D'accord. Mais tu es sûr de pouvoir ainsi briser les règles ? Aucune prophétie ne mentionne des billes que tu récupérerais. Nos fins n'ont pas encore été écrites, pas vrai ? Allez,
champion. Oh là là, ils vont faire le hum-hum. J'en suis sûr. Ils vont faire le hum-hum. Une épée douée de conscience. Une autre bille. Celle de Surte. On rappelle que dans les billes, il y a des âmes. Alors il est toujours là quelque part. De géants. Voilà. Un jour, tu m'as parlé de l'exode des géants. Tu penses à eux parfois ? En permanence. Ils sont loin d'ici. Loin d'Odin, de Thor. Je me demande sur quelle terre ils se sont installés, quelle mer ils ont bien pu traverser. C'est vrai qu'il a le profil de Geoffrey. Je l'ai trouvé. Dans Game of Thrones. Sauver mon père et ensuite, je les trouverai. Quand est-ce qu'on rejoue avec Kratos, s'il vous plaît ? Quand est-ce qu'on rejoue avec Kratos, s'il vous plaît ? Quand est-ce qu'on joue avec Kratos ? Trop de narration. Tue la narration. Sin Mara. Je crois pas avoir déjà entendu ce nom. La tristesse te captive. Oh, ce combat a dû être épique. Ah, ça avait l'air épique, hein. Cesse. Tellement d'effets spéciaux. Oh non, regarde. C'est qu'ils ont combattu ensemble. Mm-hmm. Donc ils étaient copains après. C'est vrai qu'ils sont devenus amis. Ils se sont roulés des patins. Oh. Comme Six Sparrow et moi. Bons amis. Pour être malade. Oui. Oui, je crois bien. Oh, eh bien. Tant mieux pour eux. Mais on dirait que leur amour les a fait fusionner en une sorte d'énorme créature. Le Ragnarok. Et ensuite, le Ragnarok détruit Asgard. J'ai déjà vu ça dans la fresque de Groa. Eh bien, c'était troublant. Oh, non, c'est Donatien qui dit ça tout à l'heure, vu qu'il est malade aussi. J'ai vu. Et... Allez là ! D'ailleurs, beaucoup... Il est où Kratos, putain ? Il est où Kratos ? Il est où Kratos ? Je vais rester un peu là. Je me fais chier avec Atreus. Bien sûr. Mais. Sois prêt. Atreus. Tu m'emmerdes avec ta coiffure de chien. Balai de chien. Hé, hey Ingrid. Thor, putain. Tu es par. Vous pensiez vraiment pouvoir vaincre le dieu du tonnerre ? Oh. Ah, il s'énerve là-haut. Alors on va où ? C'est là ? Non, faut aller là-haut. Il l'avait dit qu'on y allait après. Faut remonter par là ? Ah vas-y les boules. Du backtracking de merde avec Atreus. Atreus l'enfant-les balai de Chiotte, Atreus, les chiottes. Ok, c'est quoi ça? Je dois l'admettre. C'est amusant. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres. Littéralement fléchis. Ah bah dis-toi, je suis super fort. Trude, elle envoie. Elle est forte, ouais. Elle arrive à porter des épées. Allez! Il me tarde de me faire défoncer. C'est parti! On se fait défoncer! Défonçage! C'est parti! La lave était rouge de leur sang. Trop de sereine. R3. Tu viens m'aider maintenant? Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. Es-tu contenté de regarder ton père ce matin? Ben voilà, ils essaient de me faire apprécier Atreus en se disant « Ah mais non, j'ai pas fait que regarder mon papa, hein. Moi j'étais là aussi, hein. J'avais mes couches, hein. J'avais 6 ans et mes couches. » Je vous déteste. Et je sais mort. Pigeonneau ! Attaque pigeon ! Ben, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Les pigeonneaux. Les pigeonneaux. Est-ce que les pigeonneaux pourraient fonctionner, si vous voulez ? L2 ! Quoi ? Meurs ! Non, c'est mon épée ! Carré ! J'ai entouré de montagnes de cadavres. L1 ! Je t'emmerde, toi, là ! Attaque des pigeons, c'est parti ! Les pigeonneaux ! Génial ! Tu viens m'aider, maintenant ! Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. T'es-tu contenté de regarder ton père ce matin ? Absolument que je fasse un R3 là-bas, là.
Attendez. Attaque du grizzly, chien. Loup. Chat. Attaque du chaton. La bombe chatomique. C'est moi. Pourquoi es-tu si haut? Il y a des vies partout. Trop fort. Où est-ce que j'ai pris? Des vies. Croix. Bon. Croix. Appuie sur carré partout, tout le temps. Pour utiliser Ingrid. Aussi connu sous le nom de Trude. Trudy. Oh, il y a des trucs derrière. Putain, ma vie est à chier. Trop dur. Je viens de massacrer ces créatures. C'était merveilleux. Et Crystal, comment tu vas? Bienvenue, Crystal. Je ne chie pas du tout, Crystal. White. Comment ça va, Crystal White, ma modératrice? Comment vas-tu? C'est pas du tout dur. C'est pas vrai. Bien sûr. Je dois l'admettre. C'était pas juste. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres. Littéralement fauché. Ça fait quoi qu'il y ait du violet, là? Je comprends pas. Génial. Tu viens m'aider, maintenant? Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. T'es-tu contenté de regarder ton frère se battre? C'était forcément mon dard qui l'a fait, puisque moi j'avais 5 ans et je faisais caca dans mes couches. Que les pigeons soient! Les pigeons furent! Hé, hey, pourquoi es-tu si haut? Va chier, Thor! Quand tu... C'est possible. Je viens de massacrer ces créatures par légion. C'était merveilleux. Bon, ça va. Je suis un apprenti dieu. Tu as sans doute raison. Trude adorerait ça. Kael s'en sortira mieux que toi. Putain, il est trop fort, lui. Comme le Roquefort. Je suis sûr qu'il est trop fort comme le Roquefort. En tout cas, je suis sûr que c'est Yep, il sent exactement comme le Roquefort. Je sais pas, j'ai entendu des sons spéciaux. Il s'est transformé, ce connard. J'ai plus du tout de vie. J'avais pas vu du tout. Des bisous, Flore. Ciao. À la prochaine. Des bisous. Bon, du coup, Six, toi, tu l'as fait ou pas, God of War Ragnarok? Ou y'a que Manosé Julie qui le fait? Bien sûr. Je dois l'admettre. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres. Ah. Littéralement fauché. C'est trop chiant. La lave était rouge de leur sang. Trop de sang. Génial. Tu viens m'aider maintenant. Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. What? Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu n'as pas fini non plus, d'accord. Ok, ouais. Il est cool le jeu après. Il est cool. Mais ouais, en hard là, chaud. Mais le jeu est cool. Le jeu est très cool. Mais ça, en fait, ça me fait chier qu'il faille jouer tout le temps séparé de... Finalement, Kratos est séparé d'Atreus tout le temps, j'ai l'impression. Littéralement fauché. La lave était rouge de leur sang. Trop de sereine. Génial! Tu viens m'aider maintenant? Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. Es-tu contenté de regarder ton père? Ok. Allez, il y en a de moins en moins. Je reprends des vies. J'ai bien fait. Hey, pourquoi es-tu si haut? Ah putain. Vas-y, chien loup.
Ça fait gagner des vies. Ah, il pique. Franchement, Hard, ça pique. Je viens de massacrer ces créatures par le jeu. C'était merveilleux. Tu as sans doute raison. Boudador reste. Kael s'en sortirait mieux que toi. Et... J'essaie de lui faire monter sa barre de posture. Putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Putain, R3. Oh oui. Lévi. Quel plaisir. Il y a des vies partout. Il y a des vies partout. En vrai, c'est chaud. Et un autre. Il y a deux autres. Salut Akinawa. C'est pas dur du tout. C'est pas du tout dur. C'est pas du tout dur. Salut ceux qui arrivent, bonsoir à vous. Je suis Ribozo, mais je suis actuellement malade. Mais je suis un PGM, alors ne vous inquiétez pas. Je peux pas passer. Prenez vie. Pourquoi je peux pas passer? Bah alors. Oh non. You saw a soft lock. Ah ouais? Mais non, je peux pas passer. Attends. Sa mère. Je peux pas me baisser. C'est le retour du sale gosse. What? Comment on se baisse? Y a pas de touche pour se baisser. Mais non, y a pas de touche pour se baisser. Mais non. Je suis softlocké. Je suis softlocké. I am softlocked. Mais non. Je prends pas les vies avant, voyons voir. Non. Non, non. Normalement, il y a un QTE qui est affiché avec rond. Je vais juste quitter le jeu pour faire ça. Sa mère. Attends, je sauvegarde. Sur une nouvelle sauvegarde. Ok. Je quitte. Non mais attends. Oh Akinawa, de toute façon, j'ai commandé... Enfin, j'ai pas commandé, mais j'ai trouvé où commander. Il est à 27€ chez Carrefour, Steel Rising. Je le ferai en parallèle d'Elden Ring à la rentrée, mesdames et messieurs. Abusé. Oh, le vieux bug tout pourri. What? Putain. Ça se trouve, je vais devoir recommencer le jeu du début. Si je dois recommencer le jeu du début, et bien on arrêtera God of War Ragnarok. Pour toujours. J'espère que... Ça va se réafficher. Genre vraiment. Mais what? Mais non. Mais quoi? Oh, attendez, je vais essayer d'aller là-bas. D'accord. Je vais là. On s'en fout. Vous pensez quitte complètement le jeu? Attends, ouais, t'as raison. Quitter la partie. Confirmation. Loupé. Quitte complet. Mais oh. Mais attendez, c'est un triple A, les amis. Je ne suis pas d'accord avec ce maléfice. Ça, c'est ma tête de quand je suis super heureux. Merci Akinawa, en tout cas, depuis que t'es arrivé, tout marche au poil de cul. Une heure trente que je me fais défoncer. 1h30, les amis. Vas-y, pitié.
Que les seigneurs du Nord soient avec nous, que les dieux nordiques, que le Ragnarok habite mon Tatakouille. Vas-y, dis-moi que c'est bon. Mais what? Mais non. Et on peut charger des parties? Non, non, pas 1h30 que je suis sur eux, mais 1h30 que j'ai commencé le live. 1h30. Qu'il pleut, tu l'envoies. Franchement, c'est abusé. Bah, il y a un checkpoint juste avant, mais je sais pas à quelle heure c'était. Je ne sais pas. Attendez, il est quelle heure? 20h36. Attendez, on va faire 20h31-27, voir. Ouais, sur Twitter, je suis chaud. Vas-y, je le clipperai. Attends, je clippe cet instant, comme ça, je sais que ce sera pas loin. Voilà. Mais abusé. Ah, c'est là. Ça avait save ici. Oh non, putain, on va se retaper le dialogue avec Jeanne McLean, là. Mais au moins, ça va. C'est une sauvegarde auto. Une auto-sauvegarde. Salut, quel but? On est softlock dans God of War Ragnarok. Je peux ne pas finir le jeu à cause de ça. C'est possible. On peut passer les cinématiques ou pas? S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, je veux pas la revoir. S'il vous plaît. Oh putain, s'il vous plaît. Oh putain. Putain. Je veux pas la revoir. S'il vous plaît. Pas du tout. Comment je peux quitter là, ça? Je peux pas. Je pourrais pas tenir. Presque lorsque j'en ai envie. Oh non. Je suis venu chercher la bille de Surt, hein. Peut-être. Oh non, je peux pas passer non plus la cinématique. D'autres billes de géants. Comment ça va, Calbut? Tu sais à quoi ça ressemble? À la vie entière d'un membre de notre peuple. Merci, menace. J'ai commandé mon propre bonnet sur ma propre boutique. Point d'exclamation boutique, si jamais vous voulez voir mon propre bonnet avec mon propre logo. La vraie question, c'est... On peut pas passer les cinématiques, alors. On peut pas les passer, les cinématiques. Je vais chercher sur mon téléphone pendant qu'il parle comment passer les cinématiques de God of War. Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est lui, mais ce n'est pas... Je cherche en même temps. Si vous pouviez chercher vous aussi. Je ne lui parlerai jamais du bois de fer. Cinématique. C'est cela qui t'inquiète. God of... Ah, on peut pas. C'est un plan séquence. Ce sont les mots de la prophétie, pas les mots. God of War. Est-ce que vous pouvez passer les cinématiques, hein? Tu peux m'aider si tu veux. Alors, ça a été mal traduit, je pense, mais si vous êtes un chef, vous pratiquez votre métier pendant des années. Une fois que vous avez un morceau de résistance prêt, vous voudrez que vos convives fassent l'expérience de l'assiette telle qu'elle est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai tapé. Pardon. Donc on va être obligé de se retaper ça pendant combien de temps? On peut pas charger une autre save là? Genre la sauvegarde auto... Auto 5? La Toto 5? Allez putain. Que les dieux du Nord m'habitent. Que le marteau de Thor soit mon tentacouille. Hey Ingrid. Thor aurait été tué par... Ça y est. Vous pensiez vraiment pouvoir vaincre le dieu du... C'est bon, c'est la Toto 5. Moi, je voudrais qu'Atreus retrouve son putain de père. Hein? Il y a quand même écrit God of War sur la jaquette. Il n'y a pas écrit... Chercher une expression rigolote. Ah voilà, et là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne, on reclip. Donc, il faut recharger sa auto-sauvegarde pour que ça fonctionne. Santa Monica Studio, could you make a patch for this fucking bug? Santa Monica Studio, make it, do it, just do it. Ok, c'est bon, c'est clippé. C'est clippé. Ouf. Ah cool, je vais pouvoir me faire violenter le fion. Il me tarde trop. Merci Santa Monica Studio. Vous voyez bien qu'il y avait écrit rond. Bien sûr. Je dois l'admettre. C'est amusant. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres. Littéralement fauchés. La lame était rouge de mon sang. Trop de soirées. Génial. Pas grave. Tu viens m'aider maintenant. Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. J'ai un loup. Des fourrailles. Sévère. Ça, c'est pour Santa. Monica. C'est pour Monique. Sainte Monique.
au studio de Sainte Monique. Je viens de massacrer ces créatures. C'était merveilleux. Vous êtes trop forts tous. Au secours. Pigeon ! Pigeonneau, attendez, pigeon ! C'est l'heure du pigeonneau ! Au secours ! Et au cac ! Je loot. Oh non. Dévie là-bas. Putain, il s'est transformé en level 5. This is the level 5 of the fucking Sainte Monique. Je sais pas à quoi ça fait, à quoi ça sert qu'il y ait une rune dessus. Par contre. Pas écrit Kid of War, ouais, sur la jaquette. Alors là, ça va bugger, Sainte Monique. Prions tous Sainte Monique. Non, c'est bon. Et là, si je fais ça. Oh putain. Ah ouais, j'y ai trop cru. Oh là là, Sainte Monique. 1h16 de vidéo. De toute façon, les vidéos à 4 minutes, je les mets d'un bloc. Parce que ça nous gonfle. J'ai fini en c'est ça, ouais, gerpez-moi dessus tout cela. Littéralement fauché. Mais merde, voilà. Mais merde, putain. Trop de soirée. Génial. Tu viens m'aider maintenant. Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. T'es-tu contenté de regarder ton père? Monique, c'est ma tante. Je suis malade aussi, Calbut. Ça va, Calbut? Tu es heureux d'être là, Calbut? Putain de joue de Monique. Sainte Monique. Sainte Monique. Priez pour nous, Sainte Monique. C'est parti. Je dois l'admettre. C'est amusant. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres. Oh que oui. La lave était rouge de leur sang. Trop de soirées. Génial. Tu viens m'aider maintenant. Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. Tu peux tenter de regarder ton père se battre. J'espère aussi, Léa. J'espère aussi. C'est elle, rit quand on l'a. Menace, j'ai pas compris. Je vais boire un coup. Pire moment pour boire un coup, du coup je fais pause. Merci, Calbut. On a quand même failli se faire softlock. Bien sûr. Ok. Je dois l'admettre. C'est amusant. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres, littéralement fauchés. Allez, c'est eux. Les plus chiants. Trop de soirées. Génial. Avec Jean-Michel. Jean-Michel Gerber. Ces épreuves a besoin de mon aide. Es-tu contenté de regarder ton père se battre? Allez, Sainte Monique. Hey, pourquoi es-tu si haut? Ok. Je bute. Je garde mon L1, R1 pour les gros. Putain, c'est trop chaud. En vrai, c'est trop dur. Alors là, waouh. En hard, là, c'est hard. Vraiment, c'est dur.
Je me demande pas. Je vais arriver. C'est parti. Bien sûr. Je dois l'admettre. C'était amusant. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres. Littéralement péché. La lave était rouge de mon sang. Trop de soleil. Génial! Tu viens m'aider maintenant? Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. Ou t'es-tu contenté de regarder ton père sous ta femme? Ok. Ok. Hé, hey, pourquoi es-tu si long? Ok. Ok, juste le loup. Ça fera gagner des vies un peu. Je viens de massacrer ces créatures par légion. C'était merveilleux. Monique of War. God of Monique. J'ai failli mourir. Vous adorerez ça. En tout cas, elle s'en sortirait mieux que toi. Bah, c'est indécent tout ce qu'il y a comme monstre. Ok. Allez. Oh putain, vas-y, go! C'est le Radiant Rock of Monique, en effet. Putain, mais clac. Il y a deux autres. La vie est à chier. C'est indécent, cette histoire. Tu aurais pu faire ça depuis le début. J'avais l'impression que tu t'en sortais très bien. C'était le cas d'ailleurs, hein. Franchement, j'ai pas trouvé ça très dur, hein. Alors. Tout le monde a fait des caisses, mais finalement, c'était Stacy. Bon, voilà. Ce jeu est vraiment très facile, hein. Eh bien, vérifie tout de même. Connard de Thor. Merci pour les GG. Enfin, GG Thor. Vous me dites GG à moi, mais GG Thor. Thor? J'ai tort. N'est-ce pas impressionnant? Tu m'impressionnes tellement. Tu es un dieu. Go! Tu l'as dit. Alors Avatar 2, oui, Avatar 2, super, vraiment super. J'ai adoré. Du coup, je l'ai vu en 3D, 4K, là, IMAX. Non, pas IMAX, je l'ai vu en 3D. Et oufissime, voilà. À 60 images. Trop beau. Bien mieux. Trop beau. Tout à l'heure, on me demandait de noter Avatar 2. Mais franchement, j'aurais pu facilement lui mettre un bon 17. C'est un bon film. Voilà. Je préfère au premier. J'ai vraiment préféré. Tu l'as vu, toi, Killawa, ou pas encore? Ça reste entre nous. Mais plonger sa main dans la lave n'est jamais très agréable. J'ai pas réfléchi. Bien. C'est toujours mieux comme ça. Parfait. Allons-nous-en. Oh, et... Loki, ne te moque plus jamais de moi. Tu n'es peut-être qu'un gamin, mais tu restes un géant, et je savourerai ta mort. C'était ça, c'était subsonique. On était tous à l'intérieur du cockpit d'un avion subsonique. Pour le film. Ah, tu vas voir ce week-end, Loki, Akinawa. Je veux absolument que ceux qui le voient me donnent leur avis. On peut enfin la lire. Mais tu ne la comprends pas. Ah, le premier était beau, mais il est encore mieux, en fait, il est ouf. Quand ils sont dans la mer, quand ils sont dans l'océan, c'est abusé. C'est trop beau. Ou pire. Regarde ça, on fait une bonne équipe, n'est-ce pas? Et toi, tu ne trouves pas qu'on fait... Il branle rien. Pourquoi il est habillé en bolchevique, là? Tout s'est bien passé, là-bas? Thor a été génial. Il m'a appris plein de choses. Il t'a appris des choses?
Ah oui, c'est vrai. Il m'a appris à quand même faire du pâté en croûte. Que lui as-tu appris ? À péter. Rien. Qu'est-ce que j'aurais pu lui apprendre ? Exactement. Ah, je me demandais où il était passé. Quoiqu'en fait, je m'en doutais un petit peu. Des remords ? Je ne sais pas vraiment ce que je viens faire à Asgard. Mais maintenant, je sais que je ne viens pas vous espionner. J'aimerais que vous me fassiez confiance. Et si je dois vous aider à aller jusqu'au bout, je veux pouvoir vous faire confiance. La confiance se gagne, je comprends. Prends ceci. Déchiffre ce qu'il nous manque. Si tu restes, bien sûr. Ah, il faut rester. Vous allez me dire ce que vous cherchez vraiment là-dedans ? Traduis ça, et je te raconterai tout. Et là-dessus, jeune homme, tu peux me faire confiance. Ou pas du tout. Ok. Après, il est stylé, Atreus. Son armure est cool, là. XP 2500. Regarde les appartements d'Atreus. Très bien. Dites. Je peux looter. Vous êtes toujours aussi dur avec Thor. Je peux looter. On dirait que vous êtes en colère contre lui. Je peux looter, là. Oui, je loote. On dirait un peu César, c'est vrai. Vrai qu'il fait César, une pierre de lune luisante qui rayonne de pouvoir unique. Accessoire. Je t'assure. Vas-y. Essaie d'être gentil avec lui. De l'argent. Un autre coffre. Ok. T'as là, je suis farci de thunes. Ça, je peux pas le toucher du coup. À mon avis, le Ragnarok, il va partir de là. Hein. Et à propos de l'épée. Ingrid, c'est le nom de l'âme à l'intérieur ? Je m'étonne de ne pas... Loki, nous sommes tous très occupés. On verra ça plus tard. Hein. Vous pensez que je vais rejouer avec Kratos maintenant ? Si je rejoue avec Kratos, je suis très heureux parce que je vais pouvoir couper ma VOD. Donc s'il y a une coupure d'électricité, du coup, bah, je conserverai cette VOD, quoi. Si je coupe avant la coupure. Je coupe après la coupure, c'est mort. Je mangerai mes morts. Et... Il va bien falloir que le jeu justifie son titre. Non mais attendez, j'en ai ras le cul de pas jouer avec Kratos. Non mais à vos gueules, en fait. Tous, fermez tous vos gueules. Voilà, moi ce que je veux c'est jouer avec Kratos. Eh bien, quelle drôle de journée. Non, je veux pas avoir de coupure, mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'ailleurs. Allez là, putain, il est où Kratos ? Dors, enfant roux. Il va le mettre. Vas-y, il va le mettre, je vais te téléporter dans... Dans un super tentacouille, dans Callisto Protocol. Je sais. Je sais, je sens. C'est ce que je sens. Qu'est-ce qui branle ? L'opinel d'Atreus est posé sur le tonneau. Ah. Alors, on le voit juste ou on joue avec, là ? Vas-y, putain, joue ! Joue ! Deviens un personnage principal, putain. Redeviens le personnage principal, putain. Redeviens. Bonjour, mon frère. Bonne nouvelle. Boy. J'ai un plan. Ah, vraiment ? I got a plan. T'as, c'est Dutch van der Linde. Oh, il lui ressemble, en fait. C'est ça, c'est lui. C'est Dutch van der Linde. Les Nornes. Tu les as déjà vus. Saurais-tu les retrouver ? C'est possible, mais... Gokolo, ouais, pour Atreus. Ce sont les moires de ces terres, n'est-ce pas ? Je veux savoir ce qu'elles savent. Je veux savoir... Elles ne seront sans doute pas coopératives. Il suffit que je les trouve. Les Nornes, c'est pas les... C'est des voyantes ? C'est ça ? Garde.
Mais si Atreus est à Asgard, on ne le récupérera pas sans une armée. Nous devons en constituer une. Oui, rien de tel qu'une guerre catastrophique pour arranger la situation. Ah ben voilà quelqu'un qui est censé. Le garçon semble intelligent. Peut-être que si tu lui laisses un peu de temps... Tu as ta part de responsabilité. Baston. Vas-y, c'est un boss, c'est sûr. Encouragé dans son erreur. Je suis sûr c'est un boss, lui. Confusion. Fusus. Je ne souhaite pas la guerre. Ah bon? Mais si Odin... Ça en est le dieu, fils, pourtant. Sache que je ne reculerai devant rien. Il me tarde. La nature a toujours été claire, Kratos. Mais toi, Freya... La guerre en premier recours. Je te pensais différente. J'espère que les Nornes te seront de bons conseils. Le mien n'est peut-être plus utile ici. Je m'en fais. Ça suffit. Ce n'est pas le moment de nous diviser davantage. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Tu es bien silencieux. Je suis une tête coupée. Je m'étonne que toi, tu cherches un oracle. Ah, c'est ça, c'est un oracle, ok, Nornes. Mais... ton intuition ne nous a pas trompés jusque-là. Allons voir les Nornes. C'est celles qui sont dans le dessin animé Hercule, c'est ça? Les Nornes? Ça se passe en Grèce, donc on retourne en Grèce, c'est ça? Un mot du destin. Salut YouTube! C'était une VOD de merde. Pourquoi? Parce qu'il y avait Atreus et que je suis malade. Plutôt parce que je suis malade. Ciao!